Morène, bonjour. Bonjour. Tu es entourée d'un groupe de très bons musiciens. Oui. Comment ils s'appellent ? C'est mes amours. Alors, on a Benjamin Beignoliel au piano, Léandre Pic au caronne et Matt Végy au violoncelle. Et c'est devenu vraiment des amis, donc c'est encore mieux. C'est un vrai luxe de pouvoir jouer avec ses potes. Raconte-nous l'expérience de Voice. Comment ça s'est passé pour toi ? Tu as fait le casting ? T'as été contactée ? Alors j'ai été contactée à peu près au mois d'octobre pour passer les auditions à l'aveugle au mois de novembre, donc j'étais dans les dernières sélectionnées. C'était en 2013, c'était pour la saison 3, et j'ai avancé chaque étape en hallucinant d'aller à la prochaine. Je me suis arrêtée un moment, mais ouais, non, c'était super, humainement c'était un truc de dingue. D'accord, et tu continues donc à tourner, à jouer, ça c'est important, non, justement, c'est de tourner The Voice, les galas The Voice. Oui, c'est on appelle ça nous des dates The Voice, The Voice entre nous, voilà. Alors on a The Voice, et donc ça s'appelle comment ? On appelle ça des dates The Voice entre nous, et ça fait très cliché, mais c'est vraiment une The Voice family. À partir du moment où tu as fait The Voice, tu connais tout le monde et ça fait une intermittence, donc on ne peut pas dire non. Au niveau du public, ça se passe comment ? Enfin, t'es reconnu, t'as des personnes qui viennent te voir, qui demandent comment tu vis ça entre l'avant The Voice et l'après The Voice par rapport au public. Moi, ça se passe bien parce que les gens ne me connaissent pas trop. Il y a ceux qui regardent vraiment l'émission qui vont savoir que j'ai fait Bang Bang à un moment et ils vont se rappeler, ils vont dire « Ah oui, c'était toi !» On fera un autographe pour ma mère d'ailleurs, s'il te plaît. On fera ça. On fera ça. Il y a des gens qui viennent, j'ai des petites fans qui sont trop mignonnes, qui me suivent un peu partout et c'est avec bonheur. Moi, j'aime les gens de toute façon, donc à partir du moment où les gens viennent te voir et pour de la musique et pour te donner de l'amour, je prends, il n'y a pas de problème. Excellent. Et dans tes projets immédiats, donc tu as une comédie musicale, tu joues donc dans Roméo et Juliette. Exactement. Et tu fais le rôle de ? Je fais le rôle de la nourrice de Juliette. Donc au niveau prénom, ça va, tu t'en sors quand on appelle Juliette, vous êtes deux, vous retournez ? Ah ouais, non, je suis un peu schizo, sachant que donc il y a une chanson qui s'appelle Juliette, donc on passe 3 minutes 30 à dire Juliette. Il y a une tour qui s'appelle Juliette, tout s'appelle Juliette, sauf que c'est jamais moi qu'on appelle. Et on dit « Non, pas toi, la vraie Juliette ». Ah non, c'est moi en fait. Enfin, ok. Et j'ai pas de prénom, je m'appelle juste la nurse. J'ai déjà été nourrice dans ta vie ? Absolument pas. Non, j'ai fait du petit babysitting comme ça, mais j'aime pas trop les enfants, c'est pas mon... Pour ma tasse de thé. Enfin, j'aime bien. Les enfants, barrez-vous. Non, mais c'est mignon, mais ceux des autres. Hein. Il y a pas de... Comment tu as commencé la musique ? En fait, t'es née d'une famille de musiciens ou c'est quelque chose de spontané pour toi ? J'ai toujours un peu chanté. Les gens me disaient « Oh, tu chantes bien, c'est sympa, machin ». Et je me suis fait un petit groupe de rock au collège avec des copains. C'était assez ridicule, mais on était contents. Et après, j'ai été au conservatoire d'Auxerre. En Bourgogne. Alors, j'ai fait du lyrique, j'ai eu mon diplôme à 17 ans. Je suis partie habiter aux États-Unis pendant un an et là j'ai découvert la comédie musicale. Je faisais la comédie musicale à la base, c'est parce que je n'osais pas chanter en tant que Juliette Morène. J'étais là, non, c'est pas intéressant ce que j'ai à dire ou à faire. Et The Voice m'a donné ce petit coup de pouce là de dire,
Je suis légitime, j'ai le droit, comme tout le monde a le droit de s'exprimer, bah, moi aussi j'ai le droit. J'étais à côté de Boston et j'ai fait un peu une espèce de Glee ou Undo Stress en une année et c'était fou. Et j'ai découvert ce qu'était vraiment que la comédie musicale à la Broadway et c'est de ça dont je suis tombée amoureuse. So you're fluent, you want to go on in English or? Yeah, we can do that. What do you think about Boston then? Boston, it's a really nice city, but I rather live in New York. This is my favorite city on earth. I love it. Me too. Yeah, it's like a planet itself. Yes, such an energy, and the people are so nice, so cute. They're always like, "Hi, darling, hi, love," and they're like, "Yay, come here." That's why I love this city, because you feel welcome. They just embrace you for who you are. And that's very, very different in the France, because yes. People tell you, "I know someone." But actually, they never introduce you to this person. What do you think? Actually, it's never happened to me. Oh, lucky you? Yes, lucky me. Continue en espagnol ou on Allez, revient en français? Une dernière question à propos de tes projets créatifs ou autres. Tu écris ou tu fais écrire pour toi? Il y a des personnes qui s'en chargent et qui tu racontes un petit peu ta vie et qui synthétisent ça. Et surtout, est-ce que tu as une année, une date de prévue pour commencer à enregistrer des choses? J'ai essayé d'écrire et je n'y arrive pas trop. Je ne suis pas très douée là-dedans. Mais j'ai raconté un peu ma vie à quelques copains et je commence à recevoir des chansons. La semaine dernière, j'ai mon ami Paul Kay qui m'écrit et il me dit « Bon, je t'ai écrit ça. » Et il avait peur de me l'envoyer. J'ai écouté, j'ai dit « Mais comment tu fais pour écrire ça ?» Pour dire exactement ce que moi, je ressens. Quand tu fais les choses juste parce que tu en as envie et parce que ça vient des bonnes intentions et avec les bonnes personnes, c'est là que ça match, je crois. Complètement, ça s'appelle même l'alignement, il paraît. Donc, et tu as une idée du moment où ça pourrait sortir? C'est 2018 ou sans pression 2020? Sans pression. Écoute, on va essayer de sortir ça pour un 2018, genre un janvier-février 2018. Ça me laisse 6 mois pour écrire des choses, pour choper aussi l'ambiance de New York vu que je vais y passer tout l'été. Merci beaucoup. Merci et on te toi. Souhaite un très bon concert. Long life to Archive Music Station. Merci.